Donc, on va donc aller, on va énumérer quelques livres apocryphes, quelques livres douteux. Bon, je vais citer au moins 30 livres apocryphes déjà, douteux. Testament d'Adam et Ève. L'ascension d'Ésaïe, c'est-à-dire le mystère des sept cieux. Où Ésaïe lui-même, il allait au ciel, il dit qu'il a vu Dieu. Bref. Donc, il y a Testament d'Adam et Ève. L'ascension d'Ésaïe, c'est-à-dire le mystère des sept cieux, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, Apocalypse de Noé, évangile des Égyptiens, évangile de Pierre, évangile de Thomas, évangile de Joseph le charpentier, Apocalypse de Pierre, évangile de Nicodème, le testament des 12 patriarches, l'ascension de Moïse, c'est-à-dire de Moïse. Livre des veilleurs, livre de l'exhortation et de la malédiction, livre des géants, le cantique des trois amis de Daniel. Proto-évangile de Jacques, évangile de Gamaliel, évangile des Nazaréens, évangile de Judas, évangile des chefs des sectes, évangile de l'enfance de Yahushua, évangile secret de Marc. Évangile de vérité, testament d'Abraham, évangile de Barnabé, évangile de Barnabé. On va d'abord un peu s'arrêter dans l'évangile de Barnabé. Évangile de Barnabé, chapitre 17. Il est dit que Dieu, c'est-à-dire c'est Christ lui-même qui parle dans l'évangile de Barnabé, chapitre 17. Christ dit que Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas d'enfant, que lui-même il n'est pas le fils de Dieu. Bref, testament du Seigneur, parole secrète de Yahushua. Vie grecque d'Adam et Ève. Vous voyez, ça fait au moins 30 livres apocryphes. Il existe encore, je dis bien, des milliers. Donc, tous ceux qui veulent oser. Essayez de me contredire. Maîtrisez d'abord toutes les versions des Bibles qui existent. Et tous les livres apocryphes qui existent. Et renseignez-vous que le Saint-Esprit vous révèle où se trouve la vérité. Avant de prendre vos Bibles là, que le Concile de Nicée ont modifié. Qu'on a modifié, ils ont retiré les mots, ils ont retiré des trucs pour vous donner des restes. Ils ont tout modifié, ils ont caché les autres. Ils ont dit non, on vous donne cela. On va créer la Trinité. Christ, c'est Dieu. Vous allez accepter ça. Vous allez accepter un faux Christ. Un faux Christ aux yeux bleus, un néphilim, un démon. Acceptez ça, ignorant que vous êtes.